sacré, les enfants! Youpi! Bob est ici! Bob est ici! Un petit jeu amusant, nous allons jouer. Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne. Un petit jeu amusant, nous allons jouer. Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne. Une couleur je choisirai, plus d'indices je vais donner. Une supposition vous devez faire, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de brillant et de jaune. La journée n'est pas complète sans lui et la nuit il n'y en a pas. Un canari jaune? Une jonquille jaune? C'est cette boule ronde dans le ciel, le soleil qui brille de mille feux. Et maintenant l'indice suivant, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de bleu et carré. Ça monte et ça descend, cela ne bouge pas beaucoup. La balançoire que je vois? Ou la balle bleue qui fait boing boing? C'est la fenêtre bleue sur le mur. Si tu te penches trop, tu peux tomber. Et maintenant lundi suivant, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de rouge et de génial. C'est rond et cool pour jouer même au mois de mai. Le saut rouge dans le sable? Ce ballon rouge dans le ciel? Eh bien, oui, tu as raison, c'est le ballon rouge. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de vert, vert, cela fait wou wou, léger comme une petite plume. Ce feuille verte sur l'arbre? Cette couverture verte sur un fil? C'est ce cerf-volant vert qui vole haut pour l'attraper, nous devons essayer. Mais passons à l'indice suivant, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de brun et délicieux. C'est si bon dans le ventre que tu ne peux jamais lui dire non. Un morceau de pain? Beaucoup, beaucoup de miel? C'est ce délicieux chocolat que je partagerai avec vous tous. Alors ouvrez grand vos bouches et laissez-le simplement glisser. J'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui les enfants. J'espionne avec mon petit œil, un nouveau jeu et beaucoup de nouvelles couleurs pour la prochaine fois. Cette fête a été tellement amusante. Finissons cette merveilleuse journée sur une chanson, d'accord? Que diriez-vous d'une chanson sur les adjectifs? Oui, oui, oui! Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Regardez ce que nous avons ici, un ballon flottant dans le vide. Vous pouvez dire que c'est rouge et rond et que cela flotte au-dessus du sol. Donc rouge et rond décrivent le ballon. Ce sont des adjectifs. Absolument. Regarde ce gâteau. Que pouvons-nous faire de lui? Est-ce que c'est savoureux, chocolaté, délicieux? Malheureusement, pas très nutritif. Savoureux! Chocolaté! Délicieux! Dans l'eau, que voyez-vous? Quand vous regardez au fond, c'est bleu, étincelant et limpide. Cela reste comme cela tout au long de l'année. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Et voilà.
voilà le chien du voisin. Il ne dormait pas comme un loir. Maintenant il est actif et dynamique. On peut même dire qu'il est sportif. Peut-on aussi dire qu'il est brun et poilu? Bien sûr! Les adjectifs rendent une phrase amusante. Il peut également y en avoir plusieurs. Heureux, joyeux, bon et drôle. Courageux, intelligent, doux et ensoleillé. En regardant ça, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est gris ou brillant comme le jour? Ou diriez-vous que c'est coloré? Ou diriez-vous que c'est beau? Vous diriez que cet arbre est grand. Il suffit de regarder la façon dont il se tient. Ou diriez-vous qu'il est gros et grand? Il est même plus grand que le mur. Wow, Bob, les adjectifs sont tellement amusants. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. C'était une fête magnifique, les enfants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de passer mon temps. Merci pour la leçon, Bob, et pour la merveilleuse fête. Et merci, les enfants, d'avoir regardé. Ne manquez pas notre prochaine leçon, qui sera tout aussi amusante. Au revoir. Et les enfants, apprenons différentes manières de se saluer aujourd'hui. Bonjour, dites bonjour. Quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui bonjour. Et vous pouvez aussi dire bonjour, comment allez-vous? Et comment nous répondons? Je vais bien, merci. Et comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Le matin, dites bonjour. Quand vous voulez saluer une personne que vous rencontrez, et comment nous répondons? Nous répondons bonjour. Bon après-midi, bon après-midi. L'après-midi, dites bon après-midi. Quand vous voulez saluer quelqu'un que vous rencontrez, et comment nous répondons? Nous répondons bon après-midi. Bonne nuit, quand vous partez, dites bonne nuit. Quand il est tard, le jour ou la nuit, c'est ce que vous dites. Et comment nous répondons? Nous répondons bonne nuit. Au revoir, quand vous partez, dites au revoir. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondrons bientôt. Merci, merci, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondons de rien. Ravi de vous rencontrer, ravi de vous rencontrer. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est ce que vous dites à tout moment de la journée. Comment nous répondons? Ravi de vous rencontrer aussi! J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre les manières de se saluer. À bientôt les enfants!
les enfants, pourquoi pas une nouvelle chanson? Comment elle s'appelle, Bob? Elle s'appelle la chanson des actions. Il s'agit de toutes les bonnes actions que nous faisons. Alors pendant que je chante, tu dois faire l'action. Dès que tu entends le gong. Ça a l'air amusant. Exactement. Allez, amusons-nous bien avec la chanson des mots d'action. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Frappez, frappez, frappez dans vos mains. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Balancez, balancez, balancez vos jambes. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Sautez, sautez, sautez à la corde. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Sautez, sautez, sautez sur une jambe. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Marchez, marchez, marchez en ligne. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Construisez, construisez, construisez un château. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Criez, criez, criez à tue-tête. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Faites tourner, tourner, tourner le ballon. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Levez, levez, levez vos mains en l'air. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Faites, faites, faites du vélo. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Rompez, rompez, rompez par terre. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Tirez, tirez, tirez sur la corde. Ding, ding, dong. Vous avez aimé la chanson d'action quand je frappe le gong. Frappez, frappez, frappez dans vos mains. Génial! Nous apprendrons d'autres mots un autre jour. Il est temps pour nous de rentrer à la maison. Montez à bord! Sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Poulet rôti et dinde, vous serez rassasiés et guirés. Poulet rôti et dinde, vous serez rassasiés et guirés. Des sandwichs pleins de légumes et de fromage, vous pouvez en manger quand vous voulez. À manger, tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. «
Un hot dog et une pizza, ça vous plaira sûrement. Glace et hamburger, tu peux pas être un simple observateur. On dit que c'est de la malbouffe, mais c'est très bon. Vous devez trouver un équilibre et en manger avec parcimonie. À manger tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains, c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Puis il y a le steak et le bacon, les spaghettis et les pâtes secouées. Le shashlik et le poisson, vous pouvez tous les manger. Bien qu'il semble que ce soit une très grosse commande. Et ajoutez le dessert, laissez-moi applaudir vos efforts. À manger tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains, c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture.